Yo tout le monde, c'est Godblader et aujourd'hui, on va faire l'unboxing, comme vous le voyez, de Buster Xcalus X3. Cette toupie, je l'ai acheté à King Joy, le ticket de caisse est juste là. Je l'ai acheté avec Maximum Garuda, donc on va, c'est pas la déballer. Donc pour les statistiques, nous avons, attendez, j'ai oublié la mise au point, voilà, 11 d'attaque, 4 d'explosion, 0 défense, 8 de poids, 2 d'agilité et 0 d'endurance. Donc, je pose mon iPad, je vais vous déballer tout ça. Donc, je vous montre un peu comment ça se déballe. Voilà. Voilà la toupie. Voilà. Super belle. Donc, d'abord, on va commencer par la pointe. Donc voilà la pointe d'Excalus qui est en métal, comme vous le voyez. Voilà. Donc ensuite, le disque forgé, le disque One. Donc ici, là, vous avez une partie. Donc quand vous la mettez sur le layer, ça va faire un mode avec l'épée. Donc je vous montre tout de suite le layer. Voilà le layer Buster X4, enfin, je veux dire Surge Xcalus X4, enfin X3, pardon. Oh mon dieu. Désolé, en fait, c'est à cause des choses. Donc, l'épée ici est en métal pour les impacts. Voilà. Donc, le QR code est là, vous pouvez le scanner. Donc, voilà. Donc, je vous ferai le testing de cette toupie. Alors, déjà, je la montre devant vous pour vous montrer. Donc, je vous rappelle que le disque forgé, donc vous le mettez comme vous voulez, mais moi je le mets comme ça, en fait, c'est le mode. Comme ça, quand ça va arriver au milieu, juste là, vous voyez que l'âme coïncide pour faire un mode d'attaque. Donc, voilà. Donc, on va voir comment elle burst. Alors, ouais, elle burst assez facilement, mais pas trop quand même. Donc, Xcalus, elle attaque énormément. C'est une toupie que je voulais depuis le début, donc voilà. Donc, c'est surtout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Un grand merci pour les 46 abonnés. Likez, commentez, partagez. C'était Godblader. Peace.